En 1933, l'Allemagne est épuisée par des années de crise. Les nazis se lancent dans une extraordinaire opération de manipulation financière. Les industriels allemands étaient très heureux que le réarmement créerait peut-être un boom économique. Armement, production de masse, l'économie allemande est redressée, mais sur un modèle basé sur le vol, les spoliations et les prédations. Hitler et Göring étaient les plus grands voleurs d'œuvres d'art de toute l'histoire. Environ un tiers des dépenses de guerre allemande a été payé par des fonds prélevés dans les zones occupées. Comment Hitler a pu mener une guerre sans argent ? Ce soir, à partir de 20h50 sur Histoire TV.